Gloire au Seigneur Jésus. Dimanche passé, nous avons été richement bénis en ces lieux lorsqu'on a introduit ce sujet, affronter les géants. Nous allons continuer ce matin et pour nous qui venions à ces merveilleux deuxième culte, nous allons parler sur la stratégie. N'écrivez pas ça, j'explique et puis je vais vous donner le thème. Nous allons parler sur la stratégie qu'il faut utiliser pour les combats de la vie. Eh bien, nous voulons que la vie soit sans combat. Dimanche passé, nous l'avons parlé, mais la vie, elle est faite de beaucoup de combats. Tous les combats ne sont pas que des combats physiques. Parfois, c'est des combats spirituels. Nos muscles ne peuvent pas intervenir dans ce genre de combats. Parfois, c'est simplement des combats psychologiques. Il y a des défis, il y a des réalités qui se dressent sur notre chemin et on doit se battre contre ces réalités. Parfois, c'est nos propres habitudes, des habitudes qui se sont cristallisées, incrustées en nous. On a commencé à faire ces choses comme un petit jeu, mais là, c'est devenu comme une nature. On se bat pour que ça s'arrête, mais on n'arrête pas. Et il faut se battre. Mais quelle stratégie ? On parlait de comment faire face au découragement, au géant du découragement. Le découragement qui est une réalité qui guette plusieurs personnes. Mais au deuxième culte, nous allons parler sur la stratégie mère, la stratégie principale pour faire face dans n'importe quel combat. C'est pour cela notre thème pendant tout ce dimanche au deuxième culte sera le courage de se battre à genoux. Le courage de se battre à genoux. Ou en d'autres termes, choisir la prière comme stratégie de combat. J'aimerais que nous puissions lire dans Éphésiens chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. J'espère que vous tous, vous avez apporté vos Bibles. 17 et même le verset 18. Il est dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'aimerais qu'on ajoute le verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Frères et sœurs, ce passage que nous venons de lire, ces textes que nous venons de lire, nous les connaissons tous. Si nous sommes chrétiens, ça fait quelques mois ou quelques années. Parce que c'est l'un des merveilleux versets que l'on utilise le plus souvent pour parler du combat spirituel. Et on parle beaucoup du combat spirituel aujourd'hui. Et ce texte nous parle de comment le véritable chrétien doit affronter ou doit s'engager dans le combat spirituel. L'écrivain qui est l'apôtre Paul ici nous présente les armes que nous devons utiliser. Il nous parle de plusieurs armes, mais à la fin, il clôture en parlant de la prière, la nécessité de la prière et comment il faut veiller à la prière. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous parler de trois vérités
que ce texte nous rappelle. Trois vérités importantes. La première vérité que cette portion d'écriture nous rappelle, c'est la réalité du combat spirituel. Plusieurs personnes tombent dans un piège, celui de mettre en doute la réalité du combat spirituel. Parfois même au nom d'une certaine compréhension de la Bible et compréhension des Écritures, ils disent, moi je ne crois pas dans ces choses, je ne crois pas dans la réalité du combat spirituel. Pourtant, si nous devons nous revêtir des armes, si nous devons combattre, c'est qu'il y a un combat. Plusieurs pensent que le combat n'est qu'un combat physique. Ce n'est que quand il faut se battre avec un homme, qu'il faut se donner de coups de poing, que l'on parle de combat. En dehors de ça, rien d'autre n'existe. Non, frère, il y a de combat au-delà du physique, au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce qui est perceptible, au-delà de ce que l'on peut toucher. Un combat qui est d'une nature spirituelle, dans lequel on ne peut pas s'engager avec notre intelligence, avec notre diplôme. Un combat qui est entre la lumière et les ténèbres. Et ce combat-là se manifeste de plusieurs manières. Il se manifeste par la lutte ou une recherche effrénée de l'influence sur une famille, sur une nation, sur une destinée. Le malin veut avoir le contrôle sur les vies, le contrôle sur les familles, le contrôle sur les destinées. Et pour tout cela, il utilise toutes sortes de stratégies. Il se déguise en ange de lumière pour séduire les cœurs, pour amener les cœurs loin de Dieu. Il inspire aux hommes toutes sortes de pratiques perverses qui dominent des nations et qui mènent à la ruine. Le combat spirituel est une réalité et c'est important que nous ne puissions pas perdre de vue cela. Avec vos yeux physiques, vous ne voyez pas cela. Avec vos sens, vous ne percevez pas cela. Pourtant, il est réel. Deuxième vérité importante que ce passage, que cette lecture nous rappelle, c'est l'importance de faire confiance à Dieu en utilisant les armes de Dieu pour le combat spirituel. Chaque fois qu'il y a un combat, et nous allons en parler aujourd'hui, on a une stratégie. Chacun a une stratégie, consciente ou inconsciente, on a une stratégie. Les nations, pour être plus efficaces dans leurs armées, ils ont des écoles où on étudie la stratégie militaire, la stratégie de guerre, parce que se battre en désordre conduit à l'échec, conduit à la défaite. Il y a une stratégie pour se battre. Qui parle de stratégie, parle des armes. Si on a une stratégie, on doit avoir donc des armes utiles, efficaces, qui peuvent porter des résultats dans ce combat. Et ici, l'apôtre Paul donne les armes du chrétien. Ces armes ici sont totalement l'opposé de ce que nous avons souvent l'habitude d'entendre dans nos milieux chrétiens comme armes pour le combat spirituel. Nous lisons ce texte, mais nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir sur la nature des armes que le chrétien doit avoir. L'apôtre Paul parle de la vérité comme arme. Il parle de la justice comme faisant partie de l'armure du chrétien. Il parle du zèle. Il parle de la foi, il parle du salut, il parle de l'esprit, il parle de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vient dans nos esprits quand on parle combat spirituel, savez-vous? Ou combat,
J'ai des combats dans la vie. J'ai des problèmes contre lesquels je me bats. J'aimerais que ça change, mais ça n'arrive pas. On voit généralement certaines attitudes dans la prière. Au nom de Jésus, on bat les mains, on bat les mains. On bat les mains, je frappe les mains. Tous les sorciers qui en veulent à ma vie, je vous détruis au nom de Jésus. Je vous détruis. Mais ici, il parle des armes qui paraissent simples. La vérité, la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi. Celui qui veut vaincre avec Dieu doit accepter d'utiliser les méthodes de Dieu. On n'a pas de victoire avec Dieu si on n'utilise pas les méthodes de Dieu dans nos combats. Et utiliser les méthodes de Dieu signifie qu'on fait confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance en Dieu parce que tu es venu ce soir, que dis-je ce matin en ces lieux, parce que tu es assis dans une église, non. Tu as confiance en Dieu quand tu peux écouter Dieu en termes des conseils, quand tu peux accepter les méthodes et les voies que Dieu te recommande. Troisième vérité, et c'est sur cette troisième vérité que nous allons parler, introduire aujourd'hui et parler de comment nous pouvons nous battre à genoux, nous battre dans la prière. Cette lecture que nous venons de lire nous montre la place importante de la prière. Cette importance, l'apôtre Paul nous la montre alors qu'il parle de l'armure du chrétien. Au verset 18, il dit « Faites en tout temps ». Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas arrêter de faire. Vous devez le faire d'une manière permanente. Il n'y a pas un temps pour le faire et un temps pour ne pas le faire. Vous devez le faire en tout temps. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Comme pour dire qu'il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs types de prières. Mais vous devez le faire en tout temps, par l'esprit, et puis ne pas rester que dans une seule forme de prière. Faites toutes sortes de prières et de supplications. Et la quatrième chose, veillez à cela. Donc, le chrétien qui veut rester victorieux doit non seulement utiliser les armes du chrétien, mais il doit aussi prier. Il doit prier d'une manière permanente. Il doit prier en utilisant toutes les formes de prière. Et durant tout ce mois, nous allons voir les sortes de prières. Il doit veiller à cela. Il doit tirer attention pour qu'il ne se relâche pas dans cela. Frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul dit ici est appuyé par tout ce que la Bible enseigne. Quand vous lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous montre la place que la prière occupe dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu. Mais bien au-delà, on nous montre la prière comme étant une stratégie, une méthode pour se battre. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, quand ils ont été confrontés à des problèmes, ils ont eu des difficultés, ils se sont retrouvés acculés, ils se sont retrouvés dans des maladies, dans des persécutions, ils ont prié. La Bible nous présente donc la prière comme étant une stratégie de guerre, une stratégie pour se battre. Mais il faut le dire, une stratégie qui n'est pas populaire, une stratégie qui n'enchante pas beaucoup, une stratégie qui semble être une faiblesse. Quand tu as un combat, quand tu as des problèmes au travail, tu as des problèmes dans tes activités, si tu es viril et que tu es un homme, si tu es fort, tu vas aller confronter la personne, tu vas lui dire, « Faut pas jouer avec moi. » Tu vas lui faire des menaces. Tu vas lui dire, « Je suis aussi capable. » Mais toi, au lieu de le faire,
Tu vas d'abord aller prier. Eh bien, tu es faible. Tu es lâche. Il faut montrer ses muscles. Nous aimons une merveilleuse histoire dans la Bible. Mais cette histoire nous montre la prière comme étant une stratégie de combat. C'est l'histoire d'Esther. Cette femme devient reine. Et quand elle devient reine, c'est à cette période-là qu'un homme va faire une stratégie pour vouloir exterminer son peuple. Mardoché, ayant eu vent de ce projet, il va aller rencontrer Esther et va lui dire, tu dois intervenir. Esther va dire au roi, que dis-je à Mardoché, voilà, il y a telle contrainte, il y a une loi. Et le roi est déjà prêt à signer cet édit. Ceux qui étaient dans l'autre camp, ils avaient tout. Ils avaient les entrées auprès du roi. Mais Mardoché, avec son peuple, ils vont décréter un jeûne et ils vont prier. Et pendant qu'ils prient, d'une manière miraculeuse, tout sera en train de changer. Le roi va manquer le sommeil. Il va tomber, il va prendre le livre où on écrivait les annales, les souvenirs des événements qui se sont passés dans le royaume. Il va tomber sur l'histoire d'un bienfait qui avait été fait, mais qui n'avait pas été récompensé. Et à partir de ce moment-là, tout va commencer à changer. Quelle méthode ils ont utilisée? La prière. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important aujourd'hui, pour nous qui prions, ou qui disons que nous prions, qui disons que nous marchons avec Dieu, que nous ne puissions pas perdre de vue, que nous ne puissions pas oublier, que nous puissions nous rappeler que les méthodes de combat, les méthodes pour affronter les combats de la vie du chrétien, de celui qui appartient à Dieu, sont différentes d'une méthode de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Nous n'utilisons pas toutes les méthodes, non. Les autres, ils peuvent utiliser la haine. Les autres, ils peuvent utiliser la méchanceté. Les autres, ils peuvent utiliser le tribalisme. Les autres, ils peuvent utiliser des coups bas. Les autres, ils peuvent utiliser ils peuvent utiliser le mensonge, l'hypocrisie. Mais ceux qui appartiennent à Dieu n'utilisent pas n'importe quelle méthode. Je ne connais pas ce matin quel genre de problème tu as, quel genre de combat tu es en train de mener. Je suis sûr que tu mènes un combat dans un domaine, serait-ce dans le milieu professionnel, serait-ce par rapport à ta santé. Tu mènes un combat dans un domaine, mais tu n'as pas le droit d'utiliser n'importe quelle méthode. Utilise les bonnes méthodes, les méthodes qui font que Dieu reste avec toi. Et la prière, c'est la meilleure méthode de combat. Elle paraît faible, mais les résultats sont immenses. Elle paraît ne pas produire des résultats, mais elle produit plus de résultats que vous ne le pensez, que vous ne l'imaginez. Frères et sœurs, pourquoi? Et c'est ce que nous allons voir ce matin, en quelques minutes. Pourquoi il faut choisir la prière comme stratégie de guerre? Pourquoi? Pourquoi tu dois refuser de te battre comme tout le monde, mais te battre par la prière, te battre à genoux? Première raison, parce que par la prière, on s'adresse à celui qui est plus puissant que tout ce que l'on peut connaître sur la terre. J'aimerais le répéter, parce que par la prière, on s'adresse à celui qui est plus puissant que tout ce que tu peux connaître sur la terre. Avez-vous déjà vu une personne qui a le numéro de téléphone d'une personne influente? Quand quelqu'un a le numéro de téléphone, a le contact d'une personne influente, cette personne est fière d'elle. Cette personne a de l'assurance dans son cœur. Elle va se dire, ça peut se compliquer, mais je connais quand même quelqu'un que je vais appeler. Et il y aura de l'empressement dans son cœur. Avez-vous le numéro du président de la République? Et vous êtes bloqué quelque part et vous n'allez pas recourir à ce numéro? Non. Même ceux qui vous connaissent, ils vont vous traiter de fou. Ils vont vous dire, mais tu as, joue, utilise tes contacts. À qui on n'a jamais dit cela? Utilise tes contacts.
Tu as des relations. Utilise tes relations. Parce qu'on se dit qu'il y a des relations que nous avons qui peuvent intervenir dans des situations et faire que les décisions puissent changer. Celui qui prie, il a le contact le plus important que l'on puisse avoir sur la terre. Tous les contacts que tu as maintenant ont des limites. Tous les contacts. Il peut être président de la République, il n'est pas le maître de son souffle. Les présidents meurent aussi, ils tombent aussi malades. Et il y a aussi des sphères où ils n'ont pas d'influence. Si tu es malade, tout ce que le président peut faire, c'est te donner de l'argent pour te faire soigner. Il peut même t'amener dans un pays étranger, mais il ne peut pas faire que ton cœur puisse continuer à battre. Il ne peut pas te garder en vie. Les contacts que tu as peuvent t'aider à être engagé dans une entreprise. Mais ce contact-là ne peut pas te donner l'énergie et la force dont tu as besoin pour bien remplir ce contrat. Mais il y a un contact qui est au-dessus de tout cela et qui peut influencer dans tous les secteurs de la vie. C'est le contact qui s'appelle Dieu. Ce contact-là, frère, tu n'as pas besoin des unités et des mégas. Parce que quand tu dois appeler quelqu'un par ton téléphone, il faut bien sûr que les sociétés de télécommunications fassent des bénéfices. Ce ne sont pas des enfants de charité. Ils ne font pas des œuvres sociales. Ils viennent pour gagner. Tu veux appeler ton frère qui est en France parce que tu l'aimes, mais la société, c'est comment ? Gratuit. Tu ne payes rien. Tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir ta bouche, ouvrir ton cœur et lui parler. Mais tu ne veux pas. Mais pour aller rencontrer le DG, tu dois t'habiller. Tu dois être présentable. Lui, il dit, hein, même en tenue d'Adam, chocolat, chocolat, parle-moi. Tu ne veux... Celui qui a créé celui que tu veux rencontrer, là, il dit, parle-moi. Entre rencontrer le secrétaire du DG et rencontrer le DG, tu veux rencontrer qui? Mais ton DG, là, n'est même pas secrétaire de Dieu. Il n'est même pas secrétaire de Dieu. Mais tu préfères le rencontrer, lui, que rencontrer celui qui est au-dessus. Frères et sœurs, quand vous rencontrez les maîtres des esprits des hommes, le Dieu d'Israël, il peut influencer n'importe quel cœur. Alors, avant de parler à un homme, j'aimerais parler d'abord à Dieu de son homme que lui a créé. Quand tu dois te battre, frère, pourquoi il faut choisir la prière? Parce que par la prière, tu parles à celui qui est au-dessus de tout, celui qui est plus puissant que tout ce que tu ne connais pas. Je suis venu nous encourager ce mois, la borne Bakwadianga. Prions. Prions, frère. Prions, frère. C'est la meilleure stratégie de combat. Tu dois te battre avec un enfant qui se comporte mal. Tu dois te battre avec toi-même. Prie. Toutes les personnes que tu connais ont des limites, mais Dieu n'a pas de limites. Sa puissance est infinie. Aide-moi à dire à ton voisin, rappelle-le, la puissance de Dieu est infinie. Même s'il ne te parle pas, dis-lui dans ce problème que tu as là. Dieu est capable de faire plus que tout le monde. Oh, le voisin n'a pas compris. Dans ce problème que tu as là, Dieu est capable de faire plus que tout le monde. Plus que ton père, plus que ton pasteur, plus que le PDG. Dieu est capable de faire plus que tout le monde. Ceci s'appuie sur leur char. Ceci s'appuie sur Israël. Ceci s'appuie sur... Mais nous, notre appui, c'est qui? Si ton appui, c'est l'Éternel des armées, prie. Prie même quand tu n'as pas envie de prier, prie. Prie même quand autour de toi, on se moque de la prière, prie. Prie même quand on pense que prier ne va rien faire, prie. Je préfère aller vers celui qui est puissant, même s'il ne fait rien, qu'aller vers des incapables qui vont promettre qu'ils vont faire alors qu'ils ne vont rien faire. Deuxième raison pour laquelle il faut choisir de prier. Et je prie le Seigneur qu'il puisse vaincre l'incrédulité de quelqu'un en rapport avec la prière. Deuxième méthode, que dis-je, deuxième raison pour laquelle nous devons choisir de nous battre par la prière.
Et cette deuxième raison, j'aimerais que vous ne puissiez pas l'oublier. Que vous ne puissiez pas l'oublier. C'est parce que la prière ne produit pas des résultats liés au temps. La prière ne produit pas des résultats liés au temps. La prière produit des résultats au-delà même du temps. Il y a des choses que tu sais aujourd'hui. Tu sais que ça aura des conséquences demain. Ça aura des conséquences le lendemain. Mais quand tu pries, les résultats de la prière sont produits par celui qui est en dehors du temps. Les résultats de nos prières ne sont pas produits par nos propres prières, non. Parce qu'il y a des gens qui se confient en la prière. Je ne me confie pas en la prière, je me confie en celui à qui j'adresse mes prières. Et parce que celui à qui j'adresse mes prières, il n'est pas dans le temps. C'est moi et toi qui sommes dans le temps. Parce que nous sommes dans le temps, c'est pour cela que nous grandissons, c'est pour cela que nous vieillissons, c'est pour cela que nous devenons faibles avec le temps. Mais celui qui entend les prières, il n'est pas dans les temps. Il est au-delà du temps. De telle sorte que aujourd'hui, moi, je peux prier, mais les conséquences de mes prières se réalisent dans 400 ans. Ceux qui voient ces résultats-là peuvent ne pas connaître d'où est-ce que c'est venu, mais celui qui est au-dessus, il sait d'où ça vient. La prière m'amène à être au-delà du temps. Celui qui prie ne subira plus la pression du temps. Parce qu'il sait que celui à qui il s'adresse est le maître du temps. Quand tu ne pries pas, tu as la pression. Là, j'étais en train d'avancer. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Là, j'étais en train d'avancer. Oui, là, j'étais en train d'avancer. Mais celui à qui tu parles, il n'est pas impressionné par l'âge qui avance. Non, je suis resté en retard. Les autres ont eu des choses avant moi. Celui à qui tu adresses tes prières n'est pas pressé par le temps. C'est pour cela, quand vous priez véritablement, l'une des choses que Dieu vous donne, c'est la paix. Ceux qui prient, ils ont toujours la paix. Pas n'importe quelle paix. L'agitation, c'est pour ceux qui ne prient pas. Au nom de Jésus, que Dieu retire toute trace d'agitation dans ta vie. Toute personne ce matin qui s'agite à cause de sa santé, qui s'agite à cause d'un besoin, qui s'agite au nom de Jésus, que le Seigneur accorde la paix à cette personne-là. Choisis de prier et la paix va venir dans ton cœur. Ce qui est bien, c'est que quand vous priez, même quand les choses n'ont pas encore changé, il y a la paix. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous-même vous posez la question, mais ça n'a pas changé. Mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai plus peur. J'ai la paix. Je sais que c'est compliqué, mais j'ai la paix. Je n'arrive pas à comprendre. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle fait quoi? Elle fera quoi? Alors, prie! Choisis de prier. Ce ne sont pas les lâches qui prient. Non, c'est les forts qui prient. Le monde pense que c'est les faibles qui prient. J'aimerais te le dire, ce ne sont pas les lâches qui prient. Ce sont ceux qui sont forts, ceux qui peuvent tourner le dos aux pressions, ceux qui peuvent tourner le dos aux circonstances et qui disent en dépit de toutes ces choses, je vais prier. C'est difficile, prie. C'est facile, prie. Ça marche, prie. Ça ne marche pas, prie encore. On t'acclame, prie. On ne t'acclame pas, prie encore. Troisième raison pour laquelle il faut choisir la prière. Parce que dans la prière, on se repose. Alors, vous avez posé la question, mais comment partir? Tu parles du combat, mais tu parles de la prière. En fait, dans la prière, on se repose. On a le repos. Ça veut dire quoi? Quand je prie, en fait, je sais que ce n'est pas moi qui va intervenir dans mon problème. Je parle à celui qui va intervenir et moi je garde le silence et le calme. Je veux faire dire, Seigneur, dans cette histoire, j'aimerais me taire, mais je veux que tu interviennes. C'est comme ça que je viens de dire que ceux qui prient ne s'agitent pas. Pourquoi ils ne s'agitent pas? Parce qu'ils savent que même si je m'agite, ce n'est pas mon agitation qui va résoudre le problème. Je te pose la question. Même si tu pleures, ça ne va pas changer. Si tu refuses de dormir, ça ne va pas changer.
Si tu te tues, tu es lâche, tu fuis la vie. Ça ne va pas changer. Mais quand tu pries, tu veux dire à Dieu, je te laisse le terrain. Je te laisse le combat. Au fait, prier, c'est céder à Dieu nos problèmes. C'est, au fait, prier, c'est faire quoi? Prier, c'est quitter le trône de son cœur et laisser à Dieu le trône. Prier, c'est faire de Dieu le patron. Seigneur, tu es le patron. Seigneur, tu es le patron pour ce visa-là. Seigneur, tu es le patron. Seigneur, je refuse de ne pas dormir à cause de ce problème. Seigneur, je t'ai donné ce problème. J'abandonne ce problème entre tes mains. J'ai fait mon aveu de faiblesse, mon aveu d'incapacité. Toi, tu vas t'occuper. Regardez. Quand un plus fort que toi, viens mon frère, venez ici. Alors, lui c'est Dieu. Et lui c'est mon problème. Le problème, il vient vers moi. Il m'encercle de partout. Je ne sais pas bouger. Je ne sais pas aller. Et puis je rentre. Je regarde vers lui. C'est difficile pour moi. C'est compliqué. Et lui me dit, il est fort, il est plus fort que moi. Et lui me dit, ça va aller, je vais m'occuper de ça. Qu'est-ce qui va se passer? La position change. Quand nous prions, notre position vis-à-vis de nos problèmes change. Ce n'est plus nous qui avons affaire directement à nos problèmes. Comme c'est lui qui a dit, je vais m'occuper de ça, lui passe devant. La prière fait passer toujours Dieu devant. Alors, lui passe devant. Il est plus fort que moi. Lui passe devant pour rencontrer quoi mon problème? Est-ce que quand lui va rencontrer mon problème, moi je vais continuer à me débattre? Qu'est-ce que je fais? Je regarde. Toi, tu veux avoir quelle position? Mais ces choses-là, ce que je viens de vous expliquer maintenant, ça se passe par la foi. Quand tu pries, ça veut dire ta position vis-à-vis de ton problème, de la difficulté que tu as, doit changer. Je n'ai plus affaire à mon combat, à mon problème. Ça cesse d'être mon combat, ça devient notre combat avec Dieu. Et Dieu prend la première place. Le problème de plusieurs, ils veulent tellement garder la première place. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas choisir la prière. Parce qu'ils veulent démontrer, ils veulent être capables de dire après, je me suis battu, j'ai quand même fait des efforts, j'ai été quand même brave. Ceux qui prient n'ont pas besoin de rechercher une gloire que j'ai faite. Mon problème, ce n'est pas la gloire. Mon problème, c'est que cette histoire se termine. Que ça se termine quand même. Lui, il peut terminer mon problème. Si lui va se battre, je peux même aller manger les foufous ici. Quand je mange, je regarde. Il a déjà fini. Non, il n'a pas encore fini. Il finira. Maintenant, toi, tu ne dors pas. Pourquoi? Assieds-toi. Qui a un problème ce matin et qui fait qu'il ne dorme pas? Parce que tu es encore toi-même en face de ton problème. Au nom de Jésus, choisis de prier. Si tu pries, tu auras ce sommeil-là. On a dit qu'il y a la liste, on va vous licencier. Prie et puis dors. Prie, le Seigneur va te dire ce que tu dois faire, mais tu ne t'agiteras pas. Parce que quand on prie, tout ne dépend plus que de ce que nous faisons. Tout commence à dépendre de ce que Dieu va faire. Alors choisis de prier. Frère, j'aime la prière. J'aime la prière. Quand on prie, hein, on amène les choses à un autre niveau. On amène les choses au niveau de Dieu. Quand tu te bats contre quelqu'un qui prie, frère, tu vas fuir. Quand tu te bats contre quelqu'un qui prie, tu vas... Je sais que moi-même parfois... Mais je dois quand même le dire au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont fuir autour de vous. Il y a des gens qui vont fuir autour de vous. Ils vont venir demander, montre-moi un peu. Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Je connais quelqu'un qui rencontre une personne qui était dans des trucs occultes. Il lui dit, dis-moi un peu, toi tu es dans quoi? Qu'est-ce que toi tu fais? Moi j'ai mon numéro. Donne-moi un peu ton numéro. Parce que ton numéro il est plus que... Mon numéro, c'est normal. Mon numéro, il est plus que votre numéro. Parce que pour vous, là, c'est rien, c'est rien. Le numéro que moi j'ai, le numéro du créateur de l'univers, le maître de temps et de circonstances. Frère, si tu pries, tu es au-dessus de la mêlée. Quelqu'un ne veut pas utiliser n'importe quelle méthode et t'avoir. Non!
Celui à qui on adresse nos prières, même quand on dort, il travaille. Il ne sommeille ni ne dort. Je peux dormir, mais celui que je prie ne dort pas. Donc, même quand vous faites des choses comme moi, je ne dors pas. Quand vous faites des choses pendant que moi je dors, celui à qui j'ai parlé s'occupe de vous. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de t'agiter pour connaître qui a cité ton nom, où est-ce qu'on a cité ton nom. Peu importe, on a cité ton nom, celui à qui tu parles dans la prière entre partout. Entre partout. Même dans la maison de celui qui a cité ton nom là, quand il parle avec sa femme et son enfant, avec sa femme et ses enfants, Dieu est là. Ou non, on a mal cité mon nom. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de connaître tout ce qui te déteste et tout ce qui t'aime. Non, ce n'est pas mon affaire. Tu vas manquer du sommeil. Tel ne m'aime pas. Je dois chercher à connaître. Vous savez, il y a des entreprises où des gens ont des services de renseignement. Vous connaissez des gens qui ont des services de renseignement? Ils ont des PPU. Des gens qui veulent leur rapporter. Chef, on ne t'aime pas. Chef, tel a dit comme ça. Au nom de Jésus, cette semaine quand tu pars, licencie tous tes agents de l'ANR que tu as. Garde ton calme. L'agent de l'ANR là, il surveille pour toi, mais il te surveille aussi toi pour les autres. Il va même aller raconter aux gens, je l'ai entre mes mains. Je l'ai entre mes mains. Vous savez, moi je peux lui dire quelque chose, il va faire. Hein? Moi, choisis de prier. Choisis de... Première raison pour laquelle on choisit de prier, c'est quoi? Pourquoi on doit choisir de se battre par la prière? Deuxième raison, parce que la prière, au-delà du temps. Troisième raison pour laquelle nous devons choisir la prière. Troisième raison, c'est quoi? Quand on prie, on se repose. Il n'y a pas d'agitation. Quatrième raison pour laquelle il faut choisir de prier, parce que Dieu nous demande de prier. Dieu nous demande de... Dieu lui-même. Écoute, la prière n'est pas le résultat de l'homme. C'est Dieu qui a établi la prière comme un canal par lequel l'homme peut lui parler et l'homme peut recevoir des choses de Dieu. Il dit même, demandez afin que votre joie soit parfaite. Qui a dit ça? Quelque part, il dit, venez, plaidons. Dieu lui-même a établi la prière. Dieu lui-même a établi la prière comme moyen par lequel on peut lui parler, comme moyen par lequel on peut recevoir la sagesse de lui, par un moyen par lequel on peut recevoir la force de lui. Dieu a établi la prière comme un moyen par lequel on peut recevoir la paix de lui, un moyen par lequel on peut recevoir la joie. En d'autres termes, celui qui refuse de prier, refuse d'obéir à Dieu. Dieu veut que nous puissions prier. Il cherche des hommes qui prient. Il cherche des femmes qui prient. Es-tu prêt? Prêt à obéir à Dieu? Nous ne prions pas seulement parce qu'à l'église, on nous demande de prier. Non. Nous ne prions pas seulement parce qu'on a des problèmes. Nous ne prions pas seulement parce qu'on a des maladies. Nous prions parce que Dieu nous demande de prier. Il dit, prie. Si tu as un problème, prie. Et comme vous savez, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne commet pas d'erreur. S'il nous demande de prier, c'est qu'il sait pourquoi nous devons prier. J'aimerais te poser une question. Me poser une question. Est-ce que tu pries encore? Est-ce que tu pries encore? Est-ce que quand c'est compliqué, tu pries encore? Ou tu affrontes tes problèmes toi-même, avec ton intelligence? Est-ce que tu pries encore? Est-ce que tu fais partie des lots de ceux qui recourent à la prière? La dernière fois que tu as prié, avec assurance, quand tu avais un problème, c'est quand? Priez avec attente, priez avec espérance que ça va marcher. C'est quand? Combien de fois n'as-tu pas eu de problème? Tu as mis de côté la prière. Tu t'es même dit, je sais comment ça marche. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça va se passer. La dernière fois que tu as prié, c'est quand?
Réponds à cette question. Est-ce que ton quotidien, il est caractérisé par la prière? J'aimerais vous dire, prier, ce n'est pas seulement s'agenouiller. Prier, tu peux être en cours de route et tu pries. Tu peux prier à partir de ton cœur. Ce n'est pas seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, tu marches. Pendant que tu es en train de marcher, tu pries. Seigneur, donne-moi la sagesse. Quand je vais rencontrer cette personne, donne-moi la sagesse. Seigneur, quand je vais traiter ce dossier, donne-moi la sagesse. Seigneur, cette personne est invivable. Rends-moi capable de le supporter. Rends-moi capable. Je suis prêt à lâcher. Je suis prêt à lui dire des paroles. Il m'a tellement indisposé. Donne-moi la sagesse. Est-ce que tu pries? Pose la question à ton voisin. Peut-être que le prédicateur, il n'entend pas. Pose la question, est-ce que tu pries encore? Le voisin t'a répondu? Le voisin a répondu? Non, il n'a pas répondu. Voisin, tu n'as pas répondu, pourquoi? Tout ne dépend pas que de ta beauté. Tout ne dépend pas que de ton diplôme. Tout ne dépend pas que... J'aimerais te le dire, frère. Tout ne dépend pas que de ta beauté. Tout ne dépend pas que de ton diplôme. Tout ne dépend pas que de ton argent. Prie aussi. Quand on refuse de prier, c'est qu'on a placé notre confiance dans autre chose à part Dieu. Ceux qui ne prient pas ont toujours placé leur confiance en autre chose à part Dieu. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Seul Dieu est inébranlable. Tout ce en quoi tu as placé ta confiance peut être ébranlé. Le papa que tu as là, parce que tu vois papa, tu ne pries pas. Papa peut mourir. Le jour où il va mourir, tu verras que la vie va changer. Il y a des gens qui ont vu leur vie changer en un mois. Ils avaient véhicule, voiture, voyage. Papa meurt un mois après. Les frères des papas ont tout pris. Ils commencent à vous traiter des sorciers. Tu mangeais les pains avec les beurres. Ni les beurres, tu ne vois plus. Même les pains, tu ne vois plus. Il n'y a que Dieu qui est inébranlable, qui reste. Tu ne pries pas pourquoi? Parce que tu as un mari. Mon mari. Monsieur, mon mari va tout faire. Monsieur, mon mari est un homme. Un cœur qui peut être influencé par beaucoup de choses. Tu ne pries pas pourquoi? Parce que tu as la force. Tu peux rencontrer un plus fort que toi. Parce que tu es intelligent. Il y a toujours un plus intelligent que toi. Tu ne pries pas pourquoi? Parce que tu es jeune. Bientôt bien, 100 000 pour les faibles. Tu ne pries pas pourquoi? Parce que tu as l'argent. C'est les pauvres qui prient. Vous avez déjà vu des gens dire comme ça? Je suis chaque fois frappé. J'ai rencontré quelqu'un. On dit qu'il a beaucoup d'argent. Mais quand tu vois sa manière de prier, toi-même qui as peu d'argent, tu as honte de ta manière de prier. Mais lui, avec tout l'argent qu'il a, il prie comme ça. Il dit, même si vous l'avez dit, vous êtes en train de... Il y a des gens, tu comprends que l'argent, quand tu les vois, tu comprends que l'argent, ce n'est pas tout. Toi, tu ne pries pas pourquoi? Parce que tu as 100 dollars dans la poche. Dis-nous, Makuta. Tu ne pries pas pourquoi, frère? Sœur, pourquoi tu ne pries pas? Prie. Prie, mon frère. Prie quand tu veux commencer quelque chose. Prie. Même si tu as déjà tous les éléments, prie. Seigneur, j'ai tous les éléments. J'ai tout, mon dossier, il est correct, il est bon. Je vais passer, on va me retenir à cet endroit. Prie. J'ai déjà l'argent pour investir, pour commencer cette activité. Le marché, il est bon, les indicateurs sont bons. Mais prie quand même. Alors, j'ai donné combien de raisons pour lesquelles on doit choisir la prière comme stratégie de combat? Il reste combien? J'ai dit que j'en ai parlé de quatre, hein? Dimanche prochain, je vais vous en parler d'autres raisons.
Mais ce matin, j'aimerais ajouter en vous donnant 6 raisons pour lesquelles beaucoup de gens refusent de prier. Beaucoup de personnes refusent de prier. 6 raisons. Même quand ils sont enseignés sur la prière, même quand ils ont appris des choses sur la prière, mais ils refusent de prier. Ils ne choisissent pas de prier. Première raison, c'est la paresse. Paresse. Il n'y a rien de dangereux comme la paresse spirituelle. Plusieurs personnes ne prient pas à cause de la paresse. Mutiluba. Chani. Il y a des paresseux dans la prière. Et soyons honnêtes, c'est facile de faire beaucoup de choses que de prier. Tu peux rester une heure sur ton téléphone en train de regarder. Regarde la photo de celle-ci. Sa tête n'est pas belle. Hein? Regarde l'habit qu'elle a porté. On ne l'a pas appris à combiner les couleurs. Regarde celui-ci. Comment il est comme ça? Puis tu rigoles. Mais ça, ça m'a pris une minute. Il semble dîner. La prière a traîné. Lui aussi, il donne beaucoup de requêtes comme ça. La paresse. Tu peux causer avec un ami pendant 10 minutes. Mais ton créateur, tu ne peux pas lui parler 5 minutes. Tu sais, vous savez, je m'étonne. Il y a des gens, quand on dit prions, ils ne prient pas. Mais s'il se met pour te raconter son problème en tant que pasteur, vous pouvez rester avec lui une heure dans le bureau. Pasteur, j'ai beaucoup de problèmes. Mais les beaucoup de problèmes que tu as là, tu ne les parles pas à ton Dieu. Dans le bureau du pasteur, tu peux faire combien? Une heure. Pasteur, j'ai beaucoup de problèmes. Mon fiancé, il m'a refusé. Depuis qu'il m'a refusé, maintenant, le travail même que je faisais, je n'arrive pas. J'aime le travail, mais je n'ai pas de capital. Je me bats pour commencer quelque chose. Regardez là-bas, mon voisin, il vend plus que moi. Moi, je ne vends pas. Quand tu regardes l'heure, 2 heures, 3 heures, parle à Dieu comme quand tu veux parler à un homme. Comme quand tu veux parler au pasteur, là. Entends quoi, ça? Prends la chaise. Hein? Dis, Seigneur, mets-toi. Parlons un peu. Seigneur, tu sais que je vais travailler, mais je n'ai pas l'argent. Seigneur, tu sais que je veux. 20 minutes avec un homme, même pas une minute avec Dieu. Paresse. Et la paresse est l'un des fléaux terribles dans nos églises aujourd'hui. La paresse. Même pas par rapport à la prière seulement. Beaucoup de gens sont pauvres dans nos églises à cause de la paresse. Ils n'aiment pas travailler, mais veulent qu'on leur donne gratuitement. Ils ne veulent pas travailler. Même quand on lui donne quelque chose, il m'a donné un peu, avec beaucoup qu'il a là. Tu as cherché ça avec lui. Oh, mon péché, tu te touches. Avec tout l'argent qu'il a, il me donne seulement un 10 dollars. Il peut travailler toute une nuit pour avoir le 10 dollars là. Son intelligence, son cerveau, les 10 dollars que toi tu méprises là. Si c'est facile, cherche ça. Pourquoi tu lui demandes? Beaucoup de gens sont pauvres dans nos églises à cause de la paresse. Je vais vous dire un secret. Ne donnez pas un paresseux. Enseignez-le. Je répète, un paresseux, je dis pour que le voisin n'entende pas. Un paresseux ne lui donne pas. Si tu donnes un paresseux, tu ne l'aides pas. Celui qui donne au paresseux le soutient dans sa mauvaise voie. Deuxième raison pour laquelle plusieurs personnes ne choisissent pas la prière et ne prient pas, c'est la distraction. Ces deux choses marchent ensemble, la paresse et la distraction. C'est-à-dire, au moment où tu dois faire ce qui est utile, toi tu fais autre chose qui n'est pas utile. C'est-à-dire, le temps que tu dois allouer à ce qui peut te faire vraiment avancer, le temps que tu dois allouer à ce qui peut te faire vraiment progresser, ce temps t'est volé par autre chose. Regarde la semaine passée, depuis le lundi jusqu'à le samedi, qu'est-ce que tu as fait? Prends 30 secondes. Regarde qu'est-ce que tu as fait. 30 secondes. Regarde ce que tu as fait la semaine passée. J'attends quelqu'un dire rien. C'est vrai, non? Je ne demande pas de lever les mains. Mais il y a des gens maintenant, là, quand j'ai dit, regarde ce que tu as fait la semaine passée, rien. Tu n'as fait que parler. Tu as parlé de tout le monde.
Tu as parlé de Fatshi. Tu as parlé de Machabidj. Tu as parlé de votre gouverneur, de votre bourgmestre. Tu as parlé de votre pasteur. Tu as parlé de musiciens. Mais tu n'as rien fait. Bon, même le peu que tu as fait là, regarde un peu le peu que tu as fait. Examine, ça t'a fait avancer en quoi? Ça t'a fait avancer, hein? Maintenant, imagine-toi que les 20 ans ou les 50 ans de vie qui restent là, tu risques de continuer à les vivre comme ça. Tu as prié pendant combien de temps? Pourtant, la prière te fait avancer. La prière a une influence sur ta vie. Tu as prié combien de temps? Maman, mes enfants m'occupent, pasteur, avec mes enfants ici. Tu as prié combien de temps? Pasteur, le travail. Chaque fois quand tu rentres du travail, tu dors. Tu ne restes pas en train de causer avec tes soeurs au téléphone pendant 2 heures. Tu connais ce que celui-là a fait. Tu connais ce que celui-là a dit. 2 heures. Et le jour suivant encore 2 heures. Le jour suivant encore. Regarde ceux qui sont venus te raconter des histoires. Ils sont venus dans ton bureau pendant que tu terminais un dossier. Tu sais, dans ce travail, si je ne comprends rien, tu veux comprendre quoi? Tu ne fais rien, tu ne comprendras rien. Tu sais, d'ailleurs, distraction. Combien de gens sont distraits? Combien de fois nous sommes distraits? Des choses qui ne nous apportent rien, qui ne nous font même pas avancer. Des causeries inutiles, des promenades inutiles. Il y a même des choses inutiles, tu dépenses même l'argent pour ça. Tu as dépensé même ta moto, que dis-je, le transport pour payer la moto, pour aller voir un ami. Une visite inutile. Vous n'avez pas progressé. Non seulement que c'est inutile, mais ça te bouffe même l'argent. Hein? C'est inutile, mais ça te bouffe l'argent. Non, que ça te bouffe même l'argent, mais ça permet que ton corps se repose, ça te détend. Ça ne te détend même pas. Tu es parti le voir. Il t'a raconté des histoires. Il a mis des choses dans ta tête. Il t'a même découragé pour les projets. Pour rien. Tu as même payé l'argent pour ça. Inutile. Distrait. Au nom de Jésus. Que toute distraction part de nos vies au nom de Jésus. Cette distraction qui t'empêche de prier et de travailler, que ça parte au nom de... Il y a des gens qui n'ont pas dit Amen, parce qu'ils sont des distraits. Maintenant là, les autres prient, ils cherchent Dieu. Demain, tu verras les résultats. Ce sont des sorciers, ce sont des féticheurs. Maintenant là, il y a des gens qui travaillent, ils vont... Permettez-moi, on parle de la prière, mais je parle un peu du travail. Il va en Gandajika, il va payer l'huile, il est dans les froids, il est dans les froids, il part, il rentre. Toi, tu es là. Moulou attaque la vanda, moulou attaque bimpe, moulou la borne. Adjissambile dit Jika, tu regardes une jeune fille. Oh non, moi je t'aime. Ma soeur pose la question à ses frères là, tu fais. Ah, on nous dit banana. Qui m'a voulu que le nez noir. Votre vous nous demandez de mon est. Quand nous vous voir quoi ou à basser. Quand je me dis que nous n'avons pas. Parce qu'on est. Vous savez, je vais vous dire une chose. Prier est un travail. Celui qui a la discipline de la prière peut avoir la discipline dans tous les autres domaines de sa vie. Celui qui peut vaincre. Avoir la discipline de la prière peut avoir la discipline dans tous les domaines de la vie. Et toi, prier, tu ne pries pas. Seulement travailler, tu vas travailler. Distrait. Les choses qui nous empêchent à prier, c'est généralement aussi ces mêmes choses qui nous empêchent à progresser dans la vie. Parce que la discipline de la prière est l'une des disciplines importantes. Parce que prier, c'est déjà un combat spirituel. Un combat contre son corps, un combat contre les diables qui ne veulent pas que nous puissions prier. Qu'est-ce qui t'est distrait? Au nom de Jésus, que tout ce qui t'est distrait dans la vie, que le Seigneur te donne la victoire là-dessus. Troisième raison qui fait que plusieurs personnes ne choisissent pas la prière et plusieurs personnes ne prient pas, c'est un mauvais environnement, un mauvais entourage. Frères et sœurs, nous finissons par aimer ce qu'on aime autour de nous. Nous finissons par devenir les genres des personnes que nous fréquentons.
Alors je te pose la question. Tu fréquentes qui? Tu parles avec qui? Est-ce que tu fréquentes des personnes qui aiment la prière aussi? Est-ce que tu fréquentes des personnes qui, quand c'est bloqué, quand tu es bloqué, quand tu es confronté à une situation, il peut te dire, viens, on va prier. Même si je peux te donner l'argent, mais viens, on va quand même prier. Qui peut même te dire, prie. Mais si tu as des amis qui ne te disent jamais de prier, et lui va même te dire, on t'a volé ta moto, on t'a volé ton argent, je connais quelqu'un qui va t'aider. Je connais quelqu'un qui va t'aider. Je vais te montrer quelqu'un qui va t'aider. Celui qui va te montrer, celui qui va t'aider là. Quand tu vas mourir, celui qui va aller dire aux gens, je lui avais dit de ne pas partir. Il est parti. Il n'a pas tout respecté. Il n'a pas tout. On va te dire, donne la poule. Tu donnes la poule, mais c'est toi-même qui te donnes. Non, donne la chèvre. Demandez-moi les pierres, non? Pourquoi il faut donner seulement quelque chose qui est vivant? Et puis vous tuez ça. Et puis on te dit toi-même, tue toi-même. Mais verse le sang. Et puis un mois après, tes enfants meurent. Tu commences à prier. Zambi, ouais, je vais inviter mon Dieu, je vais inviter mon Dieu. Toi-même. Quel genre d'amis tu as? Quel genre de personnes tu fréquentes, frères et sœurs? Les personnes que nous fréquentons influencent toujours nos vies. Soit dans un environnement des gens qui aiment la prière. Pas un environnement des gens qui aiment la prière et qui sont paresseux, hein? J'insiste. Parce qu'il y a des gens, tu les vois, nous c'est la prière, c'est la prière. Après la prière, ils critiquent les gens. Après la prière, ils commencent à parler de la vie de tout le monde. Non! Des gens qui prient et qui travaillent. Des gens qui prient et qui ont des projets. Des gens qui prient et qui progressent. Des gens qui prient et qui vont de l'avant. Au nom de Jésus, que Dieu nous éloigne de toutes les personnes qui n'aiment pas la prière et toutes les personnes qui sont des paresseux. Là, vos amens ont baissé, hein? Vos amens ont... Écoute, comme on s'est arrêté pour se poser la question sur ce que nous faisons, j'aimerais que tu t'arrêtes aussi. Pose-toi la question. Quel genre d'amis tu as? 30 secondes. Quel genre d'amis tu as? T'es parlé de la prière, ils ne te parlent pas de la prière. T'es parlé des projets, ils ne te parlent pas de projets. Et leur projet, c'est Kulundabana Babakash. Leur projet, c'est quoi? Téléphone, iPhone. Leur projet, c'est quoi? Il n'a même pas un projet que, bon, mon cher, je veux commencer mon entreprise, je veux commencer. Ce n'est pas son projet. Quel est ton projet? Dieu est mon projet. Il est spirituel. Il a une Bible. J'ai pris à la borne. Mon projet, c'est quoi? Dieu. Sœur, Dieu est mon projet. Son... Bon, tu rigoles. Toi-même, ton projet, c'est quoi? Ton projet, c'est dans 2 ans, tu seras où? Dans 2 ans, tu veux être à quel niveau? Mais réponds, non? Non, c'est mon secret. C'est mon secret. La plupart des gens qui disent c'est mon secret, là, il n'y a rien. Vous avez déjà vu quelqu'un, il s'était. Vous avez déjà vu dans une salle d'examen. Pendant qu'on fait dans la salle d'examen, on fait l'examen. Quelqu'un reste calme. Pourquoi tu restes calme? J'ai réfléchi. Alors qu'il n'a... Il peut même rester pendant 1 heure. J'ai réfléchi. Vous connaissez, hein? J'ai... Quel genre d'environnement avons-nous, frère? Avons-nous le bon environnement qui peut nous rappeler les valeurs spirituelles, les valeurs de la vie? Ma sœur, qu'est-ce que tu fréquentes? Fréquentes-tu celles qui peuvent te rappeler que Dieu a une place? Fréquentes-tu celles qui peuvent te rappeler qu'on ne peut pas aller à l'encontre de sa volonté? Conforme-toi à la volonté de Dieu. Est-ce que tu fréquentes? Quand est-ce qu'elle t'a parlé de jeûner au moins une fois? La dernière fois que tu as jeûné, c'est quand? Si tu refuses de jeûner, la maladie va te faire jeûner.
Vous avez déjà vu des gens qui jeûnent à cause de la maladie? Pas d'appétit. Je n'ai pas. Je refuse que la maladie me fasse jeûner. Je jeûne déjà moi-même. Je refuse qu'il y a des fois tu as un problème, tu perds même l'appétit de manger. Tu n'as plus envie de manger. Ta femme va te supplier. Mange quand même, mange quand même. Non. Mais quand Dieu te dit, maintenant là, il met dans ton cœur, jeûne. Jeûne pour cette activité. Jeûne pour, par exemple, pour ton enfant. Jeûne pour telle chose que tu veux faire. Prie et jeûne. Moi, je ne supporte pas les jeûnes. Moi, jeûner, pourquoi? Jeûner, c'est pour les pauvres. Attends, quand tu es endeuillé, tu vas manger. On va même commencer à te supplier. Jakuko, Jakuko. Et là, on te tient, surtout les mamans. On les tient à gauche, à droite. Vous la voyez, elle devient faible. Jakuko. Mais quand on te dit de prier maintenant, tu ne veux pas. Je vais m'arrêter là. Je vais te poser la question. Oui, pourquoi nous sommes là? Je suis en église, je suis en église. Tu n'aimes pas prier. Même prier une minute, tu ne pries pas. Tu te réveilles le matin et tu rentres. Le soir, sans prier, tu dors une semaine, deux semaines, sans prier. Je vais dire comme d'autres personnes, ou dis normal. Est-ce que tu es normal? Tu ne pries pas. Quand les autres prient, même dans votre maison, toi tu dors. Pose-toi toi-même la question, je ne prie pas, pourquoi? Tu as trouvé la réponse. Tu as trouvé la réponse. Frère, toi tu ne pries pas, pourquoi? Mais dès que tu as un petit problème, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a. Ça a bougé mon dégueulasse. Surtout quand on parle en Tchouba. Ça a bougé mon dégueulasse. Vous rigolez, non? Ça a bougé mon dégueulasse. Ça a bougé. Je crois que j'ai empêché. La souffrance dépasse. Mon Dieu, tu m'as abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. Quand tu abandonnes Dieu maintenant, là, tu ne vois pas. Ah, chez nous, je suis ensemble, Pinjo. Quoi, nous, mon âme? Ah, c'est une coubelle. Je te belle. Je te conseille. Kimo, une coubelle, frère, sœur, une coubelle. Zamina pour les génies. J'allume une campagne pasteur ou une coubelle. Achez-nous lesquels ensemble, Pinjo. Quoi, nous, mon âme? Quand tu lesquels Dieu maintenant, tu ne vois pas. Tu fais Dieu, qu'elle est la caille. Tu fais ça à Dieu, n'est-ce pas? Oui, parce que tu es fort. Kimom. On m'a raconté que maintenant, même sur la moto, dès que vous entendez avec le chauffeur de moto, vous ne vous entendez pas les prix, il te dit, Kale que la caille. C'est vrai? Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, Kale que la caille. Quelqu'un était à Kananga là-bas, loin. En Europe. Ma propre maman est partie acheter la marchandise. Elle allait acheter quelque chose. Elle achète. Bon, ils ne savent pas que c'est ma mère. Et puis quelqu'un crie, Kaleke la kaya! Et puis ma mère demande, Kaleke la kaya n'chinga? Où est quoi nous mange du pasteur ou amou la borde à moi en bail? Maintenant, on voit un tout petit enfant de 5 ans qui dit, Kandomba, Kaleke la kaya! Le pasteur Emmanuel n'a pas dit ça. On cherchait même à taper l'enfant. Ce qui est pire, les gens ne cherchent même pas toute la prédication. Ils cherchent seulement. Donc, ils vont pour mettre dans les téléphones. Je n'ai plus de téléphone, je vais me Je l'ai bien. Je dis que je n'ai plus de téléphone. En seulement cette partie-là, même des papas, maintenant, ce qui est pire, toi, tu fais à Dieu ça. Quand tu fais ça maintenant, tu ne vois pas. Hein?
Que Dieu entende un peu ton Dieu. Maintenant, là, je suis en train de te dire, prie. Mais tu ne veux pas prier. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui veulent dire, Seigneur, donne-moi la force de prier. Si vous êtes là, levez-vous simplement. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force de prier.